De mon point de vue, c'est une aberration qu'en 2018, sur LoL, on n'ait toujours pas de chat vocal avec tout le monde, et que ce soit que avec tes primates. C'est stupide au possible. Parce que le truc, c'est que t'es censé avoir la main tout le temps sur ton clavier, en fait. T'es pas censé devoir utiliser le chat écrit. Impossible. Et sur des teamfights, etc., hein, une communication vocale est tellement. Pour moi, c'est nécessaire. Mais bon, Riot font ce qu'ils veulent. Hein. Je trouve que Riot, ils ont tendance à des fois être trop focus sur il faut qu'on protège notre communauté, si on met le chat vocal, il va y avoir des trollers et des toxiques. Ah là là. Merci. Ouais, mais on met bien, c'est un bon pool que j'ai eu là. Pas bien, mais... qui n'a la start au bleu. Marqué botside. Marqué botside, il a la pression mid, hein, donc normalement il a couru tout droit pour aller la chercher. Pas à être plus inquiet que ça. Hop, en plus, ça nous permet d'être une bonne ward en vrai sur la early game, ça fera le taf. Botlane ils se font push, midlane ils se fait pressure, normal vu le match-up. Par de l'autre côté, s'il te plaît. Nice. Ce Kindred sans rouge, c'est beaucoup moins inquiétant, honnêtement. Oula, mid. Mid, c'est très chaud. Est-ce que ça meurt de l'ignite? Incroyable. Zed a plus de summoner, nice. Il est mort. Oh, execute, non! Terrible. Allez, merci Britata pour les 10 mois, merci beaucoup mec. Non, t'inquiète, reste sur ta ligne mec, je veux juste perdre du temps et des HP. Voir si on peut faire un peu plus. Nice. Hop. On se met une ward ici. On back gentiment. Ok, Kindred ici. Malheureusement, j'ai pas les HP pour aller l'aggro. Hein. Donc on va éviter de faire ça. On a un peu démoli le Vlad. Excellente nouvelle. On va bien finir ses golems. Il faut vite qu'il arrive à push ça, car sinon ça va être chaud pour lui. Oh, what? Ok, non, d'éphémère. Débarque. Je débarque. Ça sert à rien. On va regarder ici. Perdre le carab topside nous du coup avec ça. Les bots ils se font bien pressure. Ah attends, il a eu sa marque en plus au top Kindred. La chatte. La chatte, en vrai c'est logique, notre jug c'est logique. C'est pas tant de chatte que ça. Fait 1 pour 1 au top. Vu la pression qu'on se mange en mid lane, on va mettre Renekton top. Après, honnêtement, Renekton il s'en fout, il est une TP donc il va rien perdre. Ouais, normalement, Kassadin a l'air de vouloir jouer safe.
Il va pas être en danger. What? Il le tue? MDR. Ok. Faut pas que je liche trop d'XP à Cassada. J'essaie le ping comme je peux, mais. Il va se manger un Cassada, le petit père. Enfin, un Cassada, un Z, pardon. Non? Ok. Pas de Z, apparemment. Je vais dégager la marque ici, je vais back et je vais aller à mon red buff. On aura les gold en plus pour acheter bot et une longsword, c'est super. Surtout qu'en plus on a déjà une ping défensive de poser, donc je suis pas trop inquiet pour ce red buff. Ouais, il a une pression de fou au top. Pas de raison qu'il passe là, qu'il non. Il est juste allé faire sa jungle normalement. Oh, ils se font double kill. On fait chier de mute le Kassadin, mais ça a l'air d'être un bon relou, donc... J'arrive, j'arrive. Oh, le truc c'est qui... Oh, what? Rien ici. Oh fuck, y'a Z. Non. Putain, perdre mon blue buff là-dessus, je pense. Normalement, je perds mon blue buff. Un bon petit burst. Putain, mec, en vrai, s'ils veulent, ils me dive quand ils veulent. Hein. Putain! Ah, il avait un flash, quoi! Je suis dans une situation où je peux pas vraiment partir et. Que si, je pars, je vais juste catch par Kindred comme un débile, quoi. Putain! Pas de chance. En vrai, j'aurais peut-être dû juste du ping le Renekton en mode joue safe et prendre mon bleu, ça aurait été bien mieux pour moi. Le Z, ça va être un problème, il fait putain de mal. Salut Qatar! Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Qatar?
Est-ce que c'est ma souris? Non, pas spécialement. Ça, c'est peut-être la tienne, c'est ça? Ouais, bah, t'inquiète, je vais prendre l'autre, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, si t'en as une similaire, je prends. Ce sera probablement la mienne. Et si tu la trouves pas, t'inquiète, je prendrai celle juste à côté. Non, pote laineux. Sorte. Voilà, je suis vu normalement. Je suis par cette pink. Ah. Oh. Wow, après il est mort hein, mais il m'a implosé. Alors, on va vite faire des tabis après notre enchantement guerrier hein. Oh. Bon, c'est nice, ça nous remet bien dans la game ça. Ça va super bien. Là. Wow. Attends, il va le tuer là. Bah ouais. PTDA. Il y a une ward là? Parce que normalement, Kindred a largement le temps d'arriver. Hein. Ok, non, ça. Ça va partir en couille topside, j'arrive. Nice. Pas si on peut me backup là-dessus. Great, on récupère des free kills, on remonte tellement cette game à vitesse de la lumière. Après, on n'était pas spécialement derrière, mais genre là, on a pris une avance de fou quoi. Mais honnêtement, c'est le Renekton. Le Renekton, il fait un taf, mon pote. Genre, si vous suivez la map, c'est pas un setup laner qui juste tombe sa lane et après, il sait pas quoi faire de l'avantage qu'il a, mec. Hein. Genre, sur la map, mec, il fait un taf, c'est insane. Hein. Je dis pas que c'est le meilleur top laner du monde, mais pour de la solo queue, c'est très correct. Perso, j'aimerais bien back, j'ai beaucoup de gold. Il va faire attention aux bots, ils sont vachement exposés. Alors voilà. Vas-y, on va aller faire ça même du coup. Tant qu'il y a un Herald quand même.
Je suis vu sur Raptor, normalement il y a toujours la pink là-bas. On va aller l'enlever. Eh, tape. Yes. Ah oui. Oh! Oh le bâtard! Il meurt même pas. Pour le monstre. Il m'a mis des dégâts, mon pote. Oh. Ok. Vraiment, il a pas ulti. Nice. En plus, on a pris la tour mid. Excellent. S'il y a moyen d'avoir une ward ici, pour être sûr que Kindred il tente pas un truc de fou pour arnaquer une ward. Le dragon, ça serait bien de le secure. J'ai masse gold, moi. Putain de merde. Ouais, vu leur compo, mec. Vu leur compo, on va partir sur un bon gros one shot des familles. Hein. Ça, pour l'instant, ces games se passent pas trop mal. Putain, plus au final, avec les Kassadin, il y a 7-1-2. Genre, son début de game commençait pas si bien que ça, et apparemment. Apparemment, il a réussi à récolter quelques petits kills, quoi. Ah. Du coup, j'imagine qu'on perd le dragon. Oh mec, j'étais à deux doigts. C'était d'ailleurs. Récolter le raid. Putain, fichier, il manquait rien de range. Il a raté son smite avec Kindred. Ouais, t'as plus de flash, mon pote, c'est con. Hein. C'est con de plus avoir de flash. Avec la Kindred en plus, avec son flash, c'était vraiment ridicule parce que, genre, moi je suis parti dans le buisson, lui la flash, il a couru tout. Sa mère. 500 au Q-spell, là, bah je suis un Kha'Zix. Hein. Surtout si je pars full assassin, ça va faire mal. Hein. En plus, il y a disrespect, il a vraiment, il part pas sur genre Tabi Black Cleaver ou quoi, j'ai vraiment l'enculé quoi. Il sera obligé d'ulti instant à chaque fois. Surtout qu'en plus, on a cassé un giga fed à côté. T'inquiète pas, il va pas s'amuser. Compliqué à aider ça. Pour voir si quelqu'un passe là. Impossible. Mais non, personne. Z, il va persévérer. Non. Ah, si. Je grid. 700 HP. Oh, joli. Nash. Ah, fait chier. Soit si je fais check Z, c'est la mort.
Ok, bah c'est la mort comme ça sinon. Donc ok, ils étaient pas du tout sur le Nashor. Tu sais, j'étais en mode, il y a juste... quand il s'appelle... Il y a juste Zed qui va essayer de me trapper. Ah non, non, il y avait toute la team. Il partait pas Nashor. Ouais, vas-y, prends-la. Du coup, je suis mort en plus. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est... Non, c'est l'autre... Ah oui, ouais, du coup. Ouais, pour celle-là. Ouais, c'est celle-là. Hop. Ouais, s'ils font pas Nashor, c'est ok. Un petit jeu, c'est un petit lancer de game, c'est pas très grave. Prends des pinks, moi. On les regarde. Ouais, bon, c'est Zed et Jhin qui sont inquiétants. C'est un peu chiant parce qu'ils ont un Zilean, mais. Pas grave. Après, en vrai, n'importe laquelle de leur composition se serait fed avec Zilean, ça aurait été chiant. Hein. Vlad Zilean, c'est chiant. Kinan Zilean, c'est chiant. Donc bon. Ah bah t'arrives. Hop, on avait le petit sword. Putain, ça part encore en couille là. Ça arrête jamais, hein. Ouais, t'es compliqué à sauver. Oh, ça se défend ça. Oh, j'ai pas pu lui mettre l'auto quoi. Il a pas fait l'erreur, bien joué. Putain, mec, genre j'ai mis genre trois quarts de l'auto-attaque et l'animation séquence genre à toute fin quoi. Parce que si je tue Z là-dessus en plus, si l'auto passe, ça tue Z, j'ai le reset de jump et tout. Voilà, c'est tout le move est tellement différent, je peux gérer Kindred. Aïe 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 aïe. Trop triste. Manque un peu de réussite là depuis tout à l'heure. Chier un peu. Ah oui, what the fuck? Ah bah c'est parti. Oh, sa mère, c'est all-in. Même pire, ils ont même pris le Gromp, apparemment. Très bien. Oh, let's go, on a imposé. J'avais oublié qu'ils avaient un Zilean. J'avais oublié qu'ils ont un Zilean, putain! J'étais en mode ok, Kindred lui il a pas d'ulti, c'est sûr! Parce qu'il a pas le CD! Putain, sérieux, ils ont un putain Zilean de merde, fais chier! Bon là, du coup, ils l'ont plus l'ulti, mais bon. Fais chier quoi! Ça me fait chier parce qu'en fait, en gros, j'aurais pu mettre la pression que je viens de mettre sur Kindred sans avoir à mourir, tu vois. Juste, bah Zilean n'aurait pas ulti, mais de toute façon, Kindred était low et il aurait rien fait, tu vois.
Et l'espace d'un instant, j'ai oublié la présence de Zilean. All Planet. Ah voilà, après, je veux dire, on fait des bons moves, quoi. Non, en vrai, no joke. On aurait pu récupérer tout ce qu'on vient de récupérer, mais sans la mort, quoi. Ah, par contre, s'il y en a trop de gens qui meurent. Oh, Red Dead Slow! On va finir le dragon. Et on va aller essayer de sauver le Nashor. Hein. Va être compliqué. Il faut une voir là, mon pote. Dead. Focus spell? Les flash. On joue avec le feu là quand même. Wouah. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement random! Nice. Ouh putain, c'était close. Ouh! Maman, this game! Ouh! Il y a quand même pas mal d'erreurs. Fait des bons trucs et des erreurs. Misclick Viziane. Après, en vrai, le jeu que sa team peut pas lui en vouloir. Parce que pour sa défense, même moi, je te cache pas que j'étais pas serein sur le fait que j'allais réussir à tout mettre sur le Z. Hein. J'ai mis tout mon focus. Je te jure, j'ai mis tout mon focus sur la montagne de personnages qu'il y a. Il faut que j'arrive à sélectionner le Z qui a 2 HP. Surtout qu'en plus, lui, Zilean, il y a eu l'élément de surprise. Parce que, genre, tu sais, j'ai débarqué du Fog of War. Genre, je suis un peu sorti de nulle part. On n'a rien avec toi, on va faire tableau. Il faut juste se battre, c'est bien. C'était marrant. C'est marrant de jouer contre Kindred de manière générale. Parce que genre, c'est le côté chasseur et chassé avec Kindred, c'est vachement intéressant. C'est d'essayer de rentrer dans l'esprit du jungler adverse. Il y a, okay, il y a la marque ici, du coup, est-ce qu'il va jouer la marque? Est-ce qu'il va se mettre là? Etc. etc. C'est lourd. Et là, je suis content de cette game.